Mais franchement, je vous jure, je suis en mode genre hyperactif de ouf là. Je sais pas si vous imaginez, on prend un ordi, sans le savoir, on déballe et c'est écrit pour ceux qui osent, mettent en pause et on verra pour la suite. Elle a acheté, non. Je sais pas, en mode skyrocket quoi, mais la fusée elle décolle, elle est pas encore maintenant à son max là, ça part puis d'un coup. Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est la reprise des vlogs, je suis de retour maintenant de Crète. Pouf, quelle semaine de fou, ça a fait tellement du bien. Mais là maintenant, j'ai tellement d'énergie en moi. C'est un truc de fou, je vais imploser quoi. 3 jours avant de rentrer, j'avais juste tellement hâte de revenir, de tout défoncer à fond. J'ai vraiment réussi à déconnecter, j'ai lu je crois 4 livres en 8 jours, même plus, presque 5 livres en 8 jours. Je me suis inspiré à fond, je me suis ressourcé, je me suis vraiment vidé l'esprit. Et les niveaux de batterie là, mais ils sont rechargés, mais il y a un surplus même, il y en a trop. Du coup maintenant, faut y aller à fond. Là j'ai 3 semaines chrono maintenant, où je dois bosser à fond. Dans 3 semaines, je repars de nouveau une semaine en Toscane. Mais là maintenant, faut tout donner. Et aujourd'hui, c'est un jour super kiffant. Pourquoi ? Parce que c'est le premier projet vidéo qu'on fera avec Thiago. Il a commencé hier, on est mardi à l'heure où je fais cette vidéo. Et hier, lundi 9 août, il a commencé chez Dair. Donc c'est bon, il a été engagé dans l'agence Dair. Du coup, on a renforcé à fond la team vidéo. Et il y a plein de projets super excitants qui vont arriver. Je vous jure, il y en a plein avec des voitures, de la restauration. Il y a plein de trucs qui vont arriver. Et franchement, je vous jure, je suis en mode genre hyperactif de ouf là. Franchement, j'ai un élan de reconnaissance. Depuis que je suis rentré à me dire, je suis entouré des bonnes personnes. Et hier, on a fait une session meeting pour la partie des habits, le chapitre 2. Et je me suis dit, putain, mais c'est cool là, il y a des bonnes personnes, c'est des personnes de valeur, je suis entouré des bonnes personnes. Et je sens que là, tout se met en place pour que ça fonctionne vraiment correctement. Et maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Mais je vais me poser un instant maintenant, quelques secondes pour me chauffer un petit peu, planifier dans ma tête la journée, la semaine, et ensuite... on va y aller à fond. Si vous kiffez la vidéo, comme d'hab, lâchez un petit like. C'est tout simple, c'est tout con, mais ça me balance un max de force en pleine gueule. Ça me balance encore plus d'énergie que ce que j'ai maintenant. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, parce que je vous jure, c'est que le début. Ratez pas la suite, ça va bouger à fond. C'est parti. Et pour commencer la journée à fond, il faut commencer à connaître la routine. Beast mode. Séance beast mode terminée, ça fait du bien, ça m'a manqué. J'ai fait une semaine sans sport, enfin, j'ai fait 35 minutes de corde à sauter en Crète, mais sinon j'ai vraiment fait une semaine totale sans sport. Et là la reprise, mais ça fait vraiment du bien. Pour aujourd'hui, c'est une journée tournage. On doit aller tourner une vidéo pour une campagne pour un hôtel qui s'appelle les Mazos du Clos. Un magnifique hôtel, très cosy. Il est assez petit, c'est pas un gros complexe, il est assez petit mais super charmant, très romantique, en montagne à Villars. Du coup, je pars maintenant prendre Thiago et ensuite on part pour les premières scènes et après on partira à la montagne. Ciao mec, ça va? Oh. Passage express au bureau pour prendre le matos, prendre le stabilisateur, tout ce qu'il faut au niveau tournage, le drone, le trépied, bref, tout le bordel. Et hier, il s'est passé un truc. Rien n'arrive par hasard. Vraiment, le destin a fait les choses d'une manière juste parfaite. On a pris un ordi pour Thiago, pour qu'il puisse monter les vidéos, pour le bureau en fait, une sorte de petit pack d'accueil pour dire bienvenue chez Dair. Et on a pris un Asus ROG, il me semble. Et dès qu'il a déballé la boîte, regardez ce qu'il y avait sur le packaging. C'est écrit « For those who dare ». Je sais pas si vous voyez bien là. On voit quasiment rien. Là, on voit là. Je sais pas si vous imaginez, on prend un ordi, sans le savoir, on déballe et c'est écrit « Pour ceux qui osent ». Et on est l'agence Dair, l'agence qui ose. Tout se met en place.
Stab c'est bon, trépied c'est bon, lumière c'est bon, ordinateur c'est bon, caméra c'est bon aussi. Je prends les néons. Let's go. Pour commencer, on a une première scène à faire. On a loué une salle de yoga et on commence par une scène yoga. Pour l'instant, je tease un peu et vous verrez la vidéo quand elle sera prête, normalement dans l'épisode de dimanche. Du coup, ratez pas ça, ça va être vraiment stylé. Et pour commencer, une scène yoga et après, on se barre en montagne. Yo, what up, bro, bro? Ah. Bon, première scène yoga faite, c'est tout bon, c'est dans la boîte. Maintenant, on se barre à la montagne. On y est ? Top. Puis je vous ai mis juste à côté de votre chalet. Ah, oh, t'es un comme chef. Comme ça, vous êtes là, posez vos affaires et tout. Ça va ? Ça va bien, toi ? Ça a été bien passé ce matin ? Ouais, super, parfait. Wow, voilà. La classe. Et tout là. Comme c'est magique. Et... Là, vous avez vraiment la piscine, le jardin. Oh, mamma mia. Putain. Bien arrivé juste maintenant au Mazo du Clos. Et franchement, c'est tellement cosy. C'est romantique, c'est vraiment beau, quoi. Il y a une magnifique piscine en plus. Puis la vue, quoi. Ça va être cool. Ça va être cool. Mais il y a un truc qui joue pas. Il y a un truc qui joue pas. Ça, ça veut dire qu'en fin de journée, va falloir prendre le temps de la laver. C'est impossible de rouler avec une nouvelle caisse. Avec une roue aussi boueuse que ça. Du coup, mission en fin de journée, pousser à fond la bagnole. Bon, je profite juste avant qu'on lance le tournage pour vous faire un peu une update sur un projet potentiel qu'on aurait dû avoir. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais je vais remettre juste maintenant le clip en question. Du coup, on a pu survoler rapidement le contrat, mais il a pas encore signé. C'est pas encore signé, j'ai pas la griffe. Mais on bosse avec eux. Normalement. Et ben ça a été confirmé, il y a une règle qui est de nouveau maintenant refait surface, que je savais déjà, mais c'est super dur à la respecter, c'est que tant que c'est pas signé, tant qu'un projet potentiel, un job, une idée, une offre, peu importe, n'est pas signé sur le papier, ça vaut rien. Et malheureusement, la grosse campagne qu'on aurait dû faire pour un de nos clients, qui était vraiment une très très belle campagne pour plein d'aspects, ça a été annulé. C'était vendredi, j'étais prêt à partir en mode vacances, l'esprit déconnecté. On allait prendre l'avion et juste avant de partir pour aller prendre l'avion, j'ai un téléphone du client, je décroche et là il me dit « Écoute, pour le projet, je préfère qu'on fasse pause. Qu'on fasse pause pour l'instant, l'idée est cool, ça me parle à fond, le projet il est super ambitieux, presque trop pour l'instant, du coup, mets ton pause et on verra pour la suite. » Et là j'étais « Non, non !» C'était super chaud à dire, mets off le cerveau, peu importe, réagis pas à cette info pour l'instant, tu pars en vacances, donne-toi une semaine pour juste déconnecter, recharger à fond les batteries. Et quand tu reviens, tu vas reprendre cette info, tu vas reprendre cette graine pour la traiter et après pour voir comment aller de l'avant. Ben voilà, c'est la vie. Mais en tout cas, leçon apprise, réapprise. Il faut jamais, jamais penser qu'une action, qu'un projet ou peu importe va être réalisé tant que c'est pas signé. Et validé par les deux parties. Mais du coup maintenant focus pour la vidéo pour les Mazos du Clos. Je vous montre un petit peu des petits rushs. On se reprend après. Voilà, premier petit rush. Bon, le tournage avance bien. On a des belles scènes, c'est cool. On n'a pas encore tout ce qu'il nous faut, mais je pense que d'ici fin de journée, on aura tout fini. Et on a appris avant en plus qu'on était invité ce soir pour manger sur place un repas royal. Du coup, ça va être... Je me réjouis à fond. Mais maintenant, j'ai un téléphone à passer pour un client potentiel, pour une marque de cosmétiques qui est basée en Suisse. Oh, sympa. Et ensuite, il faut qu'on prépare tous les fichiers, donc les dimensions, le textile, la qualité, l'impression, le graphisme, pour qu'on puisse envoyer ce soir tout ça à la boîte qui va s'occuper de produire les habits. Et du coup, ça va lancer les samples qu'on aura et après on pourra commencer à créer la campagne pour vous montrer le chapitre 2 qui s'annonce juste magique. Ouais, ok. D'accord, donc c'est une croissance contrôlée vraiment ce que tu recherches. On mesure ce côté, on mesure là ici. Il nous faut 4 tailles. Donc là, ce qu'on va mesurer, S. c'est le M.
Journée presque terminée, il ne reste plus qu'une scène à faire. Et après on a tout ce qu'il faut, on pourra enfin aller manger. J'ai super faim et d'après ce que j'ai vu avant pour le cuistot, le repas a l'air juste oufissime. Mais sinon, une super belle journée en termes de projet. Trois nouveaux projets potentiels. On en a perdu un avant les vacances, mais trois de retrouver juste maintenant. La marque dont j'ai parlé avant, la marque de cosmétiques suisse, qui veut qu'on fasse pour eux des campagnes sur les réseaux. Une autre entreprise qui a créé un e-commerce qui vend des épices en ligne, qui veulent qu'on fasse également des campagnes sur les réseaux. Et une nouvelle marque de montres de luxe suisse qui nous a approchés et qui veut qu'on crée avec eux tout un branding, toute la partie création de la marque, stratégie et bien évidemment création de campagne. Donc franchement, c'est cool quoi, c'est ouf, c'est cool. Ça fait pas si longtemps que ça a été annoncé publiquement ce shift de partir à fond en mode campagne. Et on dirait que les gens l'ont vraiment bien pris, bien intégré. Et ça parle, ça parle, ça parle. Et je vous le dis, c'est que le début. Là on est vraiment, je sais pas, en mode skyrocket quoi, mais la fusée elle décolle, elle est pas encore maintenant à son max là. Ça part puis d'un coup. C'est cool. C'est cool. Et en plus j'ai plein d'énergie. Et c'est une fin de tournage. Il est temps maintenant d'aller déguster un bon plat. Vous rentrez les gars ? Franchement, c'est incroyable. Super. Merci à vous. Moi, j'ai hâte de voir le résultat en tout cas. Merci. Génial. Trop sympa. Rentrez bien. Soyez prudents sur la route. Repas terminé. Je dis pas ça parce qu'on bosse avec eux. Vraiment. C'était un des top 5 restos que j'ai fait. C'était juste tellement, tellement bon. Tout. L'entrée, le plat, le dessert. Dessert, c'était un Snickers fait maison. Juste une tuerie. Vraiment, vraiment. Maintenant, faut qu'on bosse à fond sur la vidéo. Mais la journée n'est pas encore terminée. C'est quelle heure? C'est 22h15. Je dois encore rentrer sur Lausanne. Et je dois laver la bagnole. Bon, au moins j'aurais essayé. Malheureusement, ça ferme entre 22h et 6h le matin. Et là, il est maintenant 23h35. Shit. Ça tombe à l'eau. Hey. Station de lavage, ça tombe à l'eau. Faut que j'aille dormir. On se retrouve dimanche soir. D'ici là, oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence.